Cette passion lui aurait coûté la vie. Le français Rémi Lucidieu, connu sous le pseudonyme de Rémi Enigme, est décédé le jeudi 27 juillet dernier, ton compte rapporte nos confrères du Parisien. Cet adepte de l'urboclimbing, une discipline qui consiste à grimper sous illégalement sur des bâtiments sous sécurité et chuter de l'une des tours trottinantes, culminant à 220 mètres de haut, compte 68 étages. Depuis ses 22 ans, le français a multiplié les ascensions et partagé des photos coupées psouf, prisant des bâtiments qu'il escaladait sur ses réseaux sociaux. Le but est grimper de plus haut, faire les photos des plus belles, le plus audacieuse, qu'inspirer des joueurs dépasser leurs limites, explique Urdan, son collègue de cette discipline de Parisien. Son dernier cliché a été pris fond compte et de nombreux hommages pullulent depuis l'annonce de sa mort sous sa publication. Lire également avait été un jeune espoir de 17 ans, mais dans des circonstances dramatiques venues. Je veux peu te croire. Restopé mon frère, je t'ai aussi sa famille, fut une cagnotte de dons pour ses funérailles. Faites-le-moi savoir. J'aimerais te faire hippie mon frère, tu vas nous manquer, ça t'en notamment pu lire. Marge de son cliché. Les circonstances de la mort de Rémi Enigme sont encore floues. Il aurait notamment été aperçu par une femme de ménage en train d'appeler à l'aide par les fenêtres de les tours. Prévenu, les forces de l'ordre se sont rendues sur place, mais le jeune homme avait déjà chuté et perdu la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je suis sûr que c'est un malheureux accident. Il n'était pas stupide, il ne ferait certainement pas quelque chose qui pourrait le tuer. L'estimé Max, un ami de Rémi, qui décrit un homme prudent et toujours de bonne forme physique. En octobre dernier, un adepte de l'urboclimbing âgé de 21 ans seulement s'était tué dans des circonstances similaires pour tenter d'escalader le tribunal judiciaire de Bordeaux. Une publication partagée par @renignevelsi.